excusez-moi que je ne vous marche pas sur les pieds. Est-ce que vous êtes là? Soyez les bienvenus ici. Exceptionnelle cette chorale du Quiche dirigée par Vanilla et Nathalie. Debout la chorale. Et accueillons comme il se doit Click. Bonsoir. Salut Click. Bonsoir la chorale, bonsoir Gérard, bonsoir les téléspectateurs, bienvenue alors chez attention. Nous. Attention, Vanina, Nathalie, je les sens exceptionnels encore une fois, chaque jour c'est de mieux en mieux. Bill Baxter, nous allons commencer, s'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Embrasse-moi, idiot. Alors attention, 3... 4 musiques, c'est parti! Allez-y, le cœur! Je ne vous entends pas! C'est un petit échauffement, on va faire beaucoup mieux. Ding dong, asseyez-vous. C'est rentré, c'est les invités. Sylvie, bonsoir. Faites attention, Sylvie, donnez-moi la main. Parce qu'il est assez dangereux cet escalier. Sylvie. Un petit peu raide. Un petit peu raide. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Gérard. Vous allez bien? Très bien. Bonsoir, merci. Click. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Dominique. La célèbre chorale du Quiche, face à vous. Sylvie, vous nous arrivez d'où? De Dourdan. Dourdan? Oui, au fin fond de l'Essonne. D'accord. Vous faites quoi dans la vie, Sylvie? Je suis institutrice. Ah oui, oui. Quelle classe? CM2. CM2, la rentrée s'est bien passée? Très bien. Les garnements sont sympas ou pas? Ils sont adorables. Ils sont adorables. Mmh. Un petit coucou peut-être aux élèves? Ah ouais, plein de gros bisous. Dominique, vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis comptable dans une banque. D'accord. Vous nous arrivez d'où? Verneuil-l'Étang, Seine-et-Marne. Ah, la Seine-et-Marne. Ouais. D'accord. Vous avez une passion dans la vie? Ouais, j'en ai plusieurs. La généalogie, entre autres. Ouais. Vous aimez les soirées costumées? Ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est sympa, oui, oui. Eh ben, je vous propose un bal masqué, moi. Très bien. On s'installe là. Super. Alors, pour ce bal masqué, voilà ce qui va se passer. Vous allez entendre 4 indices sous forme de chansons. Et ensuite, un indice que je vous donnerai. Ces 5 indices au total devraient vous permettre de découvrir un personnage connu de fiction, de bande dessinée, du cinéma, etc. etc. Il y a le premier indice, clic, c'est un point. Un point. Et ensuite 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. À chaque point, on rajoute un point. Ok, on est parti. On y va. Est-ce que la chorale du Quiche est prête? Je voulais m'en assurer. J'espère que vous êtes prêts également à jouer chez vous. Alors, on y va. Premier extrait. Je suis Africa. Africa de Rose Laurence, je crois. Oh, oui, si la seulement interprète le titre de la chanson. Click, c'est bien ça. On va vérifier ça tout de suite, Gérard. C'est parti. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir un amour. Eh ben oui, c'était Africa de Rose Laurence. Cette deuxième chanson, il faudra découvrir l'interprète. Alors concentrez-vous, vous aussi, Sylvie. Oui. Il y a un point pour Dominique. Question à 2 points, c'est ça, Click, hein. Tout à fait, une question à 2 points pour cette qui arrive. Notre amour fou ne resterait... Jane Birkin. Vous voulez pas qu'elle joue ou quoi? Si, si, je veux. Vous dites Jane Birkin. Oui. Bah oui. Qui? Bah oui. Pareil, bah oui, bah, oui. Bah, alors faut buzzer plus vite, hein. Faut l'écraser, oui, le champignon. Il me semble que c'est une bonne réponse, Click. Bah oui, on va écouter tout de suite notre Jane Birkin National. Tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te prendre. Ça fait 3-0 quand c'est 1, c'est ça pour Dominique. Bah oui, Gérard, okay. Ça fait 3 points pour Dominique et 0 points pour Sylvie. Mais attention, là, nous sommes sur une question à 3 points, donc on peut avoir l'égalité. C'est le titre qu'il faudra me donner. Okay. On est d'accord? Okay. Le titre. Mmh. Attention, Sylvie, concentrée. Mmh. On écoute. C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. Vous savez pas? Bah écoutez, la vérification elle va être faite
Clique, si tu me le permets. Bah, vas-y, on va faire la vérification. Vous aviez trouvé. C'était quoi? Exactement, le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell. Attention. Sublime, ça commence à venir. Tu étais une super réponse de notre chorale, mais malheureusement, c'était pas une bonne réponse de nos candidats, alors que cette question ne rapporte aucun point. Alors maintenant, nous arrivons à la quatrième question, le quatrième extrait qui rapportera 4 points. Alors écoutez bien, le voici. Il faut trouver le titre. Au sommet d'un grand baobab, une fille formidable est en train de faire la sieste. Et tout en bas du baobab, une tribu de Nina. Mais attention, parce que si vous ne trouvez pas là, on continue à écouter l'extrait et c'est Sylvie qui fera sa proposition. Je pense à Chaud Cacao, mais je suis pas sûr du tout. Qui chantait Chaud Cacao? Annie Cordy. Il me semble que c'est Annie Cordy, mais ah, c'est pas Annie le titre. Cordy. Alors on écoute la fin de cet extrait, clique. Mais plus besoin de briser. En pensant quelle saveur est là, enfin ça nous changera. Des indigènes, indigènes. Sûr qu'avec un bon thermostat, on va se lécher les doigts, il n'y aura pas de reste. Faites-moi une proposition. Proposition. Pas indécente, hein, bien sûr. Je vous écoute. Je sais pas, je me rappelle plus le titre. Ça se rappelle plus. Clic. Vérification. Ben, on va écouter la réponse sans musique. Zéro point pour Jeanne Latarzane. Nous sommes toujours à 3 points pour Démonique, 0 point pour Sylvie. Et attention, là, nous allons jouer pour... 5 points. 5 points. Donc tout va se jouer sur cette écoute. Cet indice, c'est moi qui vais vous le donner. Je vais faire ça. Avec ce cinquième indice, vous devriez retrouver avec les 4 autres un personnage reconnu, ça va être facile. Alors préparez-vous à appuyer. Et là, il ferait... Vous avez les mains sur la... Mm-hmm. Oui, vous aussi, Dominique, attention. Ah, ouais, attendez, hein. Ah. Oh, 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 oh. C'était bien, non? Bon, la lumière, elle est allumée. Bah, oui. De ce côté, vous me dites. Tarzan. Bah oui. Tarzan? Ouais, je pense. Écoutez, on va vérifier. Le mieux, on c'est va qu'on découvrir l'appelle tout si tout Tarzan suite. Est là. Oh, Tarzan. Qui vienne. Oui, c'était bien Tarzan. Merci Tarzan. C'est sec. Oui, à Jeanne Latarzane. Dominique, vous restez avec nous pour cette finale. Avec quant Africa. À vous, Sylvie, venez avec moi. Regardez. Vous n'allez pas partir comme ça tout de même, Sylvie. Mmh. Oh non, je serais trop triste. On regarde. Mais non, parce que Sylvie, vous allez partir comme tous nos candidats. Bah, vous allez remporter cette brosse à dents électrique Braun Oral-B. Plaque contrôle ultra, prouvée cliniquement plus efficace qu'une brosse à dents manuelle. Alors ça, pour avoir des belles dents, c'est génial. C'est pour Sylvie. Vous, ça. À très bientôt. Et puis tiens, pour oui. tous les téléspectateurs, si vous souhaitez bah, venir chanter avec nous dans la grande chorale, oh, j'arrive pas à dire ce mot bien, eh ben, nous rejoindre sur le plateau, assister à l'émission, téléphoner au 08 03 80 66 90. Et puis donc, si vous voulez être candidat, bah, c'est très simple, vous faites le 36 15, code France 3, et on vous recevra avec joie, bonheur et entrain chez nous. Bon, bah, ça se passe bien, Dominique, pour l'instant, c'est bien, là, sans finale, ça sonne, excusez-moi. La tenante du est excellente, Véronique. Venez à ma gauche, Véronique. Bonjour, Gérard. Bonjour, Alain. Ça va pas être facile, là. Oui, je sais bien. Face à Véronique, ça fait deux fois, ça fait combien? 10 000 francs déjà de gagner. Déjà. Et jusqu'à présent, personne n'a pu remporter 15 000 francs. Serez-vous la première? Ben, on va le savoir tout à l'heure. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ouais. Un rappel sur qui vous êtes, sur ce que vous faites. Vous êtes dans le social, vous occupez des enfants, c'est ça, hein? J'essaie. En ce moment, je me réoriente. Ouais. J'aimerais travailler dans une mission locale pour s'occuper des jeunes qui cherchent des contrats de qualif, les orienter. Vous essayez de travailler avec les mairies? Voilà, les Donc, mairies, les mairie, entreprises. Véronique, elle est vraiment super. Elle a un contact exceptionnel avec les enfants. Faut faire quelque chose pour elle, d'accord? Alain, quant à nous. Eh bien, moi, je viens de Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et je suis enseignant, je m'occupe d'enfants en difficulté, qui ont des petits soucis en lecture, j'essaie de les aider. C'est pas sympa, ça. Et Dieu sait si la lecture est importante, ça amène, ça donne bien, la suite, bien. C'est ça.
La chanson, vous maîtrisez? Moyen, moyen, on va voir. Comment ça, moyen, moyen? Alors là, on va aller directement tous les trois dans ma salle de bain pour y faire quoi? Des jeux d'eau, j'en sais rien, on y va. Allez, c'est parti. Et voilà, nous voici partis pour la salle de bain, pour les chanteurs d'occasion. Alors là, nos candidats, eh ben, ils sont dans le bain. C'est parti, les voici. Venez, voilà. Véronique, installez-vous à droite du lavabo, là-bas, allez-y. Alain, on va tout de suite tester les distributeurs de savon. Allez-y, appuyez Véronique, vous maîtrisez le matériel. Maintenant, il n'y a aucun problème. Pour ce jeu, pas compliqué, certaines personnalités de divers horizons, métiers. Vous avez des journalistes, des sportifs, des hommes politiques, des gens du show business, etc., etc., qui se sont essayés à la chanson. Alain, vous aussi, Véronique, vous allez devoir me dire qui interprète les chansons que nous allons entendre. Alors, ce ne sont pas des titres forcément très, très connus. Hein. Il y en a qui en ont vendu 12 exemplaires à leur famille, et ils espèrent peut-être, grâce à cette émission, en vendre un peu plus. Sait-on jamais, on écoute tout de suite le premier extrait, après nous avoir indiqué les points, bien sûr. Bah oui, la première question, un point, la deuxième, deux points, trois points, quatre points, et la chorale va me dire la cinquième, elle vaut tout simplement... C'est trop génial. Alors je vais vous faire écouter. Allez, vas-y, clique. Stay with me for a while. Call you suburb or some, I sure don't give a damn. Asking is not my line. Reality. Serait-ce une des jumelles? I'm not over it. Let me give you my... Faut des fois écouter tout ce que je dis, hein. Alain? Non, je vais dire une bêtise, Catherine Deneuve. Vous pensez que c'est une bêtise? Je pense que c'est une bêtise, ouais. Et pourtant, c'est un point, on écoute, on vérifie. Oui, on propose la bêtise, hein, au comédie, dis donc. Je ne serai jamais... Herbé, mais oui, c'était notre belle Catherine Deneuve qui chantait. Un point pour Alain pour cette première question. Attention, deuxième extrait, Clic, si tu le veux bien. Je le veux à Clic. Venez, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Tu lui as fait du barata. Tu l'embrasses dans les coins. Dès que j'avais. Si je vous fais. Vieux chameau. Roberto, mio palmo. Ah, ça surprend, je sais. Non, je sais pas pourquoi. Non, j'ai pensé à Roberto Benigni, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que. Donc non, on oublie. On oublie. Alain. Vous pouvez me le refaire? Ah non, je peux rien refaire, moi. Non, je vois pas du tout, là. Dans le public, la chorale, si vous êtes Roberto Mio Palmo, ça vous rappelle pas un célèbre film tout en bleu? Jean Reno. Exactement, je l'ai entendu, Jean Reno, on vérifie. Vérification tout de suite. Très content. Jean Reno. Vieille canaille. Oui, oui. C'est bien, ouais, Jean Reno. Je suis content quand tu qui chantait Vieille canaille de Serge Gainsbourg. Oh, ça, tu l'aimes bien, moi, hein, Gérard. Je sais, j'adore. Jean Reno, tu l'aimes bien. Hein. Alors, ça fait aucun point pour cette question. Hein, donc, toujours un pour Alain, zéro pour Véronique. Okay. Allez, troisième extrait. Pour 3 points. Il est midi du matin et moi je me réveille. Ça fait tôt pour un héros, mais faut que j'y aille. Qu'est-ce que je mets ce matin? J'ai mon costard en lin. Il a... Nickel. Il a un peu ce chose-là comme moi, là. Un petit peu comme ça. Non, non. Bah non, c'est vous avez écouté sa voix? Non, bah c'est pas Charlie Licouteux puisqu'il est chanteur. Non, bah j'oublie encore alors... une fois, on oublie tout ce que je dis. Là. On peut continuer à écouter l'extrait ou on est arrivé à la fin, Clic? Je pense qu'on peut réécouter un tout petit bout. Un tout petit bout. Salut les gosses, ça biche. Dieudonné. Ouais. Hey. Alain qui passe à 4 points. Je c'est propose lui. De découvrir. Bah allez, vas-y, clique, vas-y. De Dieudonné. Il suis peinard, je marche seul sur mon trottoir, j'ai personne à emmerder et personne. Oui, c'était Dieudonné dans Je m'encure le zen. C'est un drôle de dit, mais c'est comme ça. Donc ça nous fait 4 points pour Alain, puisque c'était une question à 3 points. En 4 points, 4 points, là, oui, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Et là, on arrive sur une question à 4 points. Allez, on y va. Quand le soleil brille en mer, j'apparais nu comme un ver. C'est un moyen excellent pour attirer le merlan. C'est une idée lumineuse. On parle de dîner, j'étais inspecteur des impôts dans le dîner de con. Daniel Prévost. C'est une bonne réponse! Vérification merci, tout de suite bien, de ce bien, monsieur qui a un rire magnifique qu'on y va! Ah oh bah oui, le voici Daniel Prévost dans mon bateau! Donc tout ça, bah, ça nous fait 4 points partout, c'est l'égalité, tout va se jouer sur la dernière question. Attention, concentration, suspense. Véronique, elle est là.
Calme, méthodique. Ouais, ouais, Dernier extrait pour 5 points. Là, c'est la place en finale qu'on joue. On peut tout oublier. Hein. C'est parti. J'ai le sens long ce soir. Si tu viens jouer à mon loto, j'improviserai sur ton sax. C'est pas facile. Lynn Renault. On continue à écouter l'extrait. Avec tout votre temps, plus vous en pesez. Je donnerai pas d'indice. Au fond de moi, tout n'est qu'envie. Fais-moi craquer. Non, je dirais Amanda Lear, mais vraiment sans conviction, quoi. Je crois pas que ce soit ça. Clic. On découvre ça tout de suite. C'est voilà. Les nerfs vont lâcher. Chérie, chérie. Oh oui, c'était chérie, chérie. Alice Saprige dans Love et moi, avec son grande cigarette. Bon, ben bah, tout ça, ça nous fait 4 partout. Donc avec on un extrait supplémentaire, hein, Clic. Oh, bah oui, tout à fait, pour départager bah, nos deux amis candidats. Et là, je vous donne plusieurs indices jusqu'à ce qu'un de vous deux trouve. Hein. Alors attention. Mais écoutez bien en premier la voix. À remuer un peu son panier. Mais là, je... Valérie Le Mercier. C'est gagné. C'était bien ça, c'était Valérie Le Mercier. Alors on découvre tout de suite en images. Bon, là, c'était Valérie Le Mercier, oui, mais je l'ai gardé chez moi. Chanson de Bourville. Exactement. Ah, Alain, donc c'est Véronique qui l'emporte avec Alain, merci. J'espère que vous êtes bien amusé, autant que nous, je l'espère. C'était parfait. Bon, bah très bien. Allez, très très forte. Merci. Est-ce que vous allez remporter 15 000 francs? On va le savoir tout de suite. En tout cas, direction le living. C'est parti. Allez-y, Alain, passez devant moi. Et en attendant, eh ben, nous allons retrouver notre jeu quotidien, notre jeu de la voix mystère. Alors comme tous les jours, je vais vous rappeler que si vous voulez connaître tous les noms qui ont déjà été cités, bah, pour pas vous tromper, il faut faire 3615, code France 3. Alors je crois qu'il y a quelqu'un en ligne et tout de suite, je vais laisser la parole à mon copain Gérard. Gérard, il y a quelqu'un pour toi. Allô ? Oui, une dame. Votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, c'est Nicole. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Nicole ? D'un petit village à côté de Péronne. C'est où ça? Saillus-Saint-Uzel, dans la Somme. Ah, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Nicole? Je suis retraitée. Bon, et vous faisiez quoi avant? Bon, j'étais à la maison. Ah, bah c'est bien. Vous avez donc des enfants? Oui. Combien? Deux grands enfants. Ils vous écoutent, là, à votre avis? Ah, je ne pense pas. Ils sont au travail. Ah, là, là, ils travaillent encore à cette heure-ci. Bah, écoutez, on pourrait peut-être leur faire une petite surprise. Oui. Vous allez jouer pour 22 000 francs. Non, Gérard, c'est une cagnotte de 24 000 francs, mon ami. Je dis des bêtises, c'est déjà 24 000 francs. Bah oui, alors, Nicole. Ça passe tellement vite, tout ça. 24 000 francs on pour écoute cette tout de suite, cagnotte. Oui. On écoute la voix, écoutez bien. Dans la vie, garder le sens de l'essentiel, le sens de ce qui est important, ne pas se laisser manger par des grosses machines. Nicole, Nicole, oui. Attendez, prenez votre temps. Je peux pas trop vous aider, hein. Ça c'est des choses qu'on peut pas faire. Non. Alors, en revanche, certains noms ont déjà été donnés. Vous dire lesquels, je ne peux pas. Bon, à vous de voir. En tout cas, faut pas dire cela, quoi. Hein. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Donc. Merci. Oh. Je pense à Martine Aubry. La chorale, vous pensez à Martine Aubry ou pas? Clic. Toi seul connais la réponse, on t'écoute. Bah oui, malheureusement, je dis non à Nicole, je n'ai pas la bonne réponse. Mais grâce à Nicole, nous passons à une cagnotte de 26 000 francs. Vous vous rendez compte, 26 000 francs, merci Nicole. Désolé Nicole, n'hésitez pas à rappeler, à retenter votre chance et à très bientôt. Puis saluez vos enfants de ma part. Et puis tiens, si vous aussi, tous les téléspectateurs du monde entier qui nous regardent, vous souhaitez participer au jeu de la voix mystère et tenter de remporter la cagnotte, vous pouvez vous inscrire en composant le 08 36 68 55 55. Et puis on vous répondra avec bonheur. Voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Tout à l'heure, hein, Véronique. Chaud. Ça va, Dominique? J'ai un peu peur de... Ah bah elle fait peur. Elle est impressionnante. On se retrouve après ça, cette petite bande-annonce, histoire de se détendre un peu. Tous les marins en culotte courte partent un jour à l'assaut des tempêtes pour des voyages extraordinaires. Marins, pirates ou découvreurs, pour eux la taille du bateau n'a pas d'importance. C'est l'imagination qui fait la force de l'aventure. Et quand ils deviennent grands,
ils portent la même tendresse sur leurs jouets d'enfants jusqu'à les collectionner comme autant de trésors. Jeu de mer, c'est vendredi 20h50 dans Thalassa sur France 3. Bienvenue sur le plateau du quiz pour cette finale. Nos deux finalistes, je vous les présente. Allez, tenant du titre, va-t-elle battre le record de 3 venues consécutives ? Véronique ! Elle est très forte. Il est pas mal, c'est Dominique ! Vous savez pourquoi vous jouez ? Il me semble, oui. La chorale, est-ce que vous le savez ? 5000 francs pour cette finale, on est bien d'accord. La possibilité de revenir 5 fois. Donc 5 fois 5, c'est tout simple, ils vont vous le dire, c'est... Et avec ces 25 000 francs, pardon, ça fait tellement d'argent qu'à dire, ça fait beaucoup. Vous les mettez dans votre poche et on vous offre cela, n'est-ce pas, Quick Click ? Mais oui, à vous le paradis. Rendez-vous dans les îles avec les hôtels en Corée. Vous allez être reçus comme des princes, comme des rois, parce que le domaine de l'Ancre et Rocher vous accueillera une semaine en Guadeloupe au bord de sa plage de sable blanc. Ça, moi, c'est ce que j'appelle le paradis. C'est plus que le paradis, avec beaucoup d'argent en poche en plus. Enfin, faut le mériter. Alors attention, pour cette finale... Véronique, vous savez ce qui se passe, hein, maintenant elle maîtrise bien le jeu. Elle se dit, bah ouais, mais elle me regarde, elle me dit, bah ouais, mais si je perdais, imaginons, est-ce que j'aurais un petit cadeau alors, si je perdais ? C'est pas un petit cadeau, c'est un gros cadeau, regardez-le. Évidemment, Gérard, un gros cadeau, à vous la forme. Découvrez la balnéothérapie avec un week-end en pension complète pour deux personnes, offert par le centre Balnéo Vital au club hôtel Les Alberts à Argelès-sur-Mer. Oh, c'était un peu dur à dire. Hein. Oh, mais c'est ça, c'est l'activité chaise longue qui me plairait le plus. On n'en est pas là, on n'est pas sur les chaises longues, on n'est pas en Guadeloupe. On va jouer de la façon suivante, n'est-ce pas Véronique ? Il y a 8 personnalités, dont une qui ne sert à... rien. Exactement. Il faudra associer une chanson à chaque personnalité, trouver un point commun entre la chanson et la personnalité. Nous allons jouer ce soir, sous les applaudissements de la chorale, avec Julien Lepers, Michel Mercier, Édouard Balladur, Séverine Ferrer, Patrick Sébastien, Elvis Presley, Ophélie Winter, qui n'est pas en rouge ce soir, et Philippe, de Dieu le veut. Vous êtes prêts ? Ouais. Les mains au-dessus du champignon, toujours d'une main, deux techniques totalement différentes. On y va, Dominique ? On y va. Véronique, c'est parti, première chanson. Ah, il me semble que Dominique a été le plus rapide, exact. Je pense que c'est Ophélie Winter, parce que je pense que c'est son papa qui chante. Exact ! Mais oui, c'est une bonne réponse, c'était Alexandre Winter. Alors donc, ça nous fait un point pour Dominique. Exactement, deuxième chanson. Il l'écrase, il va me l'enfoncer au fond du meuble. We are the champion, Julien Lepers, question pour un champion. C'était une bonne réponse. Oui, deux points pour Dominique, 0 pour Julien Lepers, c'est question pour un champion. On y va, troisième extrait. Elle commence à reprendre la lumière. Philippe de Dieu le veut parce que c'est un aventurier. Ouais. Bonne réponse. Elle est très très forte, Véronique. Ouais, un point pour Véronique, deux points pour Dominique. À chaque fois, c'est comme ça, elle revient. Alors attention, elle revient toujours, s'accrocher. Hein. On y va, quatrième extrait. Il va très bien, madame la... Et encore, Véronique. Michel Mercier, Marquise des Anges. Oh, je me souviens, quand j'étais petit, Marquise des Anges, je n'arrêtais pas de me cacher derrière les potes, parce que mes parents m'interdisaient de... Je vous raconte ma vie, moi et mon enfance. Enfin, bon, Gérard, ça fait deux partout, là. Deux partout sur la finale. Et pour Michel Mercier, la Marquise des Anges. On est d'accord. Cinquième extrait qui va prendre la tête. Happy birthday, happy birthday, rock'n'roll pour Elvis Presley. Alors, rock'n'roll with Elvis Presley. Excellente réponse de Dominique qui passe à 3 points contre 2 points pour Véronique, voilà. Véronique va-t-elle avoir les nerfs assez solides pour supporter cette pression ? Nous allons le savoir immédiatement. C'est parti. Je lui dis simplement, si j'étais pris... Oh, c'est serré. Édouard Balladur s'est présenté au présidentiel. Égalisation ! C'est une bonne réponse, 3 partout, le suspense est là, c'est oulalalala, c'est les chocottes, attention, attention, alors 3 partout, nous allons donc passer... Il en reste 2. Patrick Sébastien, Séverine Ferrer. Une de ces deux personnalités ne compte pour rien. Vous êtes à 3-3. Attention, on ne souffle plus là, attention, là c'est plus que sérieux.
Alors, je sais pas s'il faut buzzer très rapidement, j'en sais rien. C'est à vous de faire pour le mieux, surtout. J'aimerais pas être à votre place, quoique, on écoute. Je suis monsieur Patrick Sébastien pour l'émission Carnaval. Oui, c'est bien ça, c'est gagné. Gagné. Dominique qui remporte. Oui, 5000 francs pour Dominique. Bravo Dominique, tournez-vous. Bravo Dominique, bravo. Bon, pas de regrets, Véronique. Je me suis amusée pendant 3 jours. Et en plus, 10 000 francs. En plus, ça. Hein, c'est bien, génial. Permettez-moi de vous embrasser. Super, la chorale, que dire. On va danser ensemble. Oh ben j'en profite un petit peu. Si vous voulez danser, n'hésitez pas. Oui, vous pouvez inviter monsieur et jeune fille, n'hésitez pas. Tu vois cette île? Eh bien, c'est un vrai paradis. Et j'entends en profiter. Et c'est pourquoi je te fais une proposition. On partage cette île et on vit tranquille chacun chez soi. D'accord? Partager l'île? J'ai une meilleure idée, moi. Voilà, on joue à pile ou face. Face, je gagne. Et pile, tu perds. Patron. Eh ben, oui. Qu'est-ce que vous venez faire sur notre île déserte? Réquisitionner, il y a beaucoup de pétrole ici. Et alors, cette île est à nous. Voici le titre de propriété. Vous avez déchiré votre titre. L'autre moitié, c'est lui qui l'a. Mm-hmm. Et l'autre moitié L'autre moitié Je sais pas, moi, l'autre moitié, je sais. Oh, patron, on y va, on a assez perdu de temps comme ça. Mm. Pas question de toucher un palmier de cette île. Il faudra d'abord nous passer sur le corps. Oui, il a raison, nous passer sur le corps. Ah oui? Une retraite stratégique s'impose, je crois. Oui, tout ce qu'il y a de plus stratégique, d'ailleurs. Voilà le travail, patron. On commence le forage. Faites donc. Allez-y. Dites, patron, vous n'avez rien remarqué? Effectivement, ce n'est pas du pétrole, c'est de l'eau. Je vous retrouverai. C'est curieux, ça. On dirait que la Terre s'enfonce. Et donc, Pif, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se tait et on rame. T'as pas vu sous la barre, t'as pas vu Tabalouga, Ouya Ouya, Tabalouga. Ce dragon là, c'est pas du nougat. Il est petit mais il est ouga. Tabalouga, demain matin. Tabalou, Tabalouga. Ouga. Parce que c'est pas pour les faillots. Parce qu'on s'appelle pas les barbeaux. C'est pas fait pour les vieux. Parce qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Parce qu'on sait pas à quoi ça sert. Parce qu'on l'ouvrira pour le dessert. Parce que c'est bien quand c'est à fond. Parce que moi j'ai toujours raison. Parce que c'est toi un point c'est tout. Parce que c'est toi un point c'est tout. Parce que c'est toi un point c'est tout. Voici notre concours de Noël sur TF1 avec Carrefour pour gagner plein de cadeaux. Tu as bien regardé Kangoo? Alors écoute la question suivante. Qui est le Kangoo le plus paresseux? Junior, Kevin ou Nelson?
téléphone pour nous donner ta réponse au 08 36 68 90 08. Car aujourd'hui, regarde ce que tu peux gagner. Une poupée mannequin de guerrier chinois avec ses armes, un bracelet pour les petites filles et le catalogue des jouets Carrefour. Bonne chance. Noël sur TF1, ça m'épate avec Carrefour. Les vacances de l'amour. Des tableaux beaux comme des vrais, à peindre très facilement. En appliquant les couleurs numérotées dans les zones indiquées, on réalise du premier coup de magnifiques tableaux de ses animaux préférés. Numéro d'art, une création Ravensburger. Aïe. Alors, tu crois que le Père Noël appréciera tous ces M&M's? Bah, j'en sais rien, moi, je l'ai jamais rencontré. Ah, il existe. Ils existent vraiment? Père Noël? Micro Goldmaster de Lancet, nouvelle génération d'ordinateurs parlants. Écran géant. Souris. Clavier professionnel. 60 activités, 60 performances. 6 niveaux. Correcteur d'orthographe. Traducteur français, anglais, allemand. Traitement de texte. Connexion imprimante âgée d'encre. Micro Goldmaster de Lancet, le vrai portable. Pourquoi elles sont pleines de chocolat? Ah bah avant tout, le chocolat était retenu par un immense barrage. Un jour, un gourmand a voulu se servir tout seul. Mais tout le chocolat s'est échappé et a inondé les champs de blé. Et paf! Ça fait des Chocapic. Un gourmand, tu dis? Tiens, ça va. Chocapic! Chocapic de Nestlé, c'est fort en chocolat. Jusqu'au 31 janvier au Futuroscope, la formule 2 jours plus une nuit d'hôtel est gratuite pour les moins de 16 ans. Futuroscope, information 05 49 49 2345.
impératif. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ce bateau me semble sublime. Mais il l'est. Et Jimmy et moi sommes à votre entière disposition pour que votre séjour soit des plus agréables, mademoiselle Graham. Deux beaux garçons. Je suis gâtée. Non, je plaisante. J'imagine que vous êtes en vacances ? Non. Je suis venue participer au tournoi de poker organisé par le casino. Je suis joueuse professionnelle. Je ne sais pas si on peut vous souhaiter bonne chance. Non, surtout pas. Bonjour, monsieur Mitchell. Bienvenue à Love Island. Vous vous souvenez de moi, John Foster, le patron du casino? Oui. Bonjour, Foster. Comment se présente le tournoi? Parfaitement bien. Ce sera la plus grande compétition des Caraïbes. Oui, j'espère bien. Vous faites, vous connaissez Dominique, mon secrétaire? Oui, je crois que nous sommes déjà rencontrés à Las Vegas. Bonjour, monsieur. Monsieur Foster. La voiture nous attend dans la porte. Très bien. Qui sera là? Les plus grands joueurs de poker du monde. Holly de Las Vegas, Pickman de la Nouvelle-Orléans, Wang de Macao. Judith Glam sera bien là? Oui, Judith Glam sera là. Monsieur Mitchell, vous savez bien que vos désirs sont des ordres. Parfait. Vous donnerez son adresse à Dominique pour qu'il aille lui porter des fleurs. Bien sûr. Je lui ai loué un bateau, comme elle me l'a demandé. Le Miracle, c'est un très beau voilier. Bien. Aussi peur de ma vie. Oliver, j'ai une excellente nouvelle. Je vais recommencer cet après-midi. Et toute seule. C'est cool. Je suis bien sur le Miracle? Oui. Dominique. Ah, mademoiselle Glam, mes respects. Bienvenue à Love Island. Permettez-moi de vous offrir ce bouquet de la part de Ted Mitchell. Il n'a pas encore compris. Je ne sais pas, mademoiselle. Il m'a simplement demandé de vous porter ses fleurs. Ben, attendez, je vais les prendre. Bien. Je vais prendre congé. Dois-je dire quelque chose à monsieur Mitchell? Que je vous admire de travailler encore pour cette ordure. Bien, mademoiselle. Eh bien... À bientôt, peut-être. C'est ça. À bientôt. J'ai les lunettes dans votre cabine. Non. Jetez-les à la mer. Vous pouvez me faire visiter le bateau? Oui, avec plaisir. Venez, c'est par là.
Dominique ? Dominique ! Oui, monsieur. Tu as porté les fleurs à Judith ? Bien sûr. Parfait. Ça lui a fait plaisir ? Je ne sais pas. Enfin, je suppose que oui. Parfait. Tu vois, j'ai comme le pressentiment que cette fois-ci, elle va dire oui. Tu ne réponds rien ? Non, monsieur. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que je dis ça. Mais cette fille, je l'ai dans la peau. Tu comprends ? Je l'ai dans la peau. Je sais. Vous avez dépensé des fortunes pour essayer de la séduire. Tu finiras par m'aimer. J'en suis certain. Je l'espère, monsieur. Je suis à côté si vous avez besoin de quelque chose. Quelque chose me plaît, j'aime la voir. Enfin, Johanna, c'est de la folie, deux sauts dans la même journée. Et alors ? Bah, vous risquez énormément. Enfin, je sais pas, moi, des problèmes d'oreille interne avec les différentes pressions. Mais capitaine, pas à 4000 mètres. Et puis les moniteurs, ils font ça 5 fois par jour. Oui, mais eux, c'est leur métier. Ouais. Ça va peut-être devenir le mien aussi, ça me tente assez, hein. Johanna, vous êtes pas sérieuse, hein. Ah si, je suis très sérieuse, capitaine. Vous allez me faire crever. Pourquoi vous venez pas avec moi cet après-midi? Allez, capitaine. Je crois que la première partie va commencer. Nous n'attendons pas Mademoiselle Glam. Non, désolé, Monsieur Mitchell, mais le règlement exige que les retardataires soient exclus. Bonjour. Désolé, je suis un petit peu en retard, mais j'étais en tellement charmante compagnie que je n'ai pas vu passer l'heure. Eh bien, voilà qui résout le problème. Bienvenue, Mademoiselle Glam. Nous n'aurions pas commencé sans vous. Je crois que vous connaissez tout le monde. Ouais. Monsieur Holly. Bonjour. Monsieur Pickman. Monsieur Wong et Monsieur Mitchell. Bonjour Judith, je suis très heureux de vous revoir. Bonjour Ted, je ne peux pas dire la même chose. Votre place est là, Mademoiselle Glam. Merci. Pardon. Je vais donc vous donner les cartes. Elles sont neuves, bien entendu. Qui veut les vérifier ? Pardon. Position tient toujours. Pardon. Je t'épouse quand tu veux. Désolée, je passe. F1 World Grand Prix exclusivement sur Nintendo 64. Vous n'en reviendrez pas. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes pouces? Oh là là, nul! Branche-toi plutôt sur Touche et Coulée de MB, la fameuse bataille navale en version électronique, et élimine tous les navires! Ouais. De puissance 4 à Mastermind, tes jeux MB préférés en version électronique. MB, c'est top! Hollywood, avec ses pavés dorés. Entrez dans le monde magique de Danny, le chat superstar, en vidéo.
Jimmy, quoi? Je crois que tu lui plais. Oh bah tu vas rater un peu là. En plus, je ne sais pas comment m'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu la trouves pas jolie? Mais oui, mais c'est pas ça le problème. Il y a Bénédicte. Et moi, j'aimais pas lui faire de mal alors. Ça va pas très fort entre vous en ce moment. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on a trop attendu. C'est un moment où les choses doivent se faire, sinon il se faut jamais. C'est pour ça. Fais pas la même connerie que moi. Tu sais que Jeanne, c'est une fille. Très bien. Je sais, oui. Tiens, gentil, je range ça à l'arrière du bateau. Merci. Ah bah tiens. Tu sais, je crois qu'on est aussi nuls l'un que l'autre. Tu t'es pas demandé de ranger ça à l'arrière, toi? Ouais. On est toujours aussi nuls l'un que l'autre. Michel. Merci. J'avoue que j'ai eu une chance extraordinaire. C'est le jeu. Mademoiselle Glam, vous devez 500 000 dollars à Monsieur Mitchell. Je le sais, Foster, je sais compter. Je peux vous faire un chèque? Bien entendu. Inviter à déjeuner pour fêter ça. Ted, vous savez très bien que... En toute amitié. Si vous le voulez. Johanna, je vous en supplie, faites pas ça. Oliver. Non mais enfin, imaginez que le parachute ne s'ouvre pas, moi je m'en voudrais toute ma vie. Il n'y a qu'une raison que le parachute ne s'ouvre pas. Oui, parce qu'on a dû se dire, tous ceux qui ont fait le grand saut, hein, paf, comme des crêpes. Vous pouvez la laisser tranquille. Puis regardez-moi cet avion, ça c'est un engin qui ne demande qu'à s'écraser, je le vois à son allure. Oui, bah, c'est pour ça, c'est plus prudent de monter dedans avec un parachute. Vous voulez essayer? Non. Bah, allez, venez avec nous. Alors? Bon, ok, je viens avec vous. Capitaine Oliver voudrait venir avec nous. Il y a une petite place dans l'avion pour lui. Ah, pas de problème, allez-y, montez. Allez, oui, merci. Montez. Encore plus belle que le mois dernier à Shanghai. Tu m'avais promis de ne pas parler d'amour. Je ne parle pas d'amour. Je constate. Bien. Puisque la constatation est faite, parlons d'autre chose. Tu en es où? Nulle part. Je vis. Il paraît que tu as perdu beaucoup d'argent à la Nouvelle-Orléans.
Tu sais comment c'est? On gagne, on perd. Tu n'as pas de problème? Ah non, aucun. Épouse-moi, Judith. Je peux tout offrir. Tout? Je ne crois pas, non. Bien, vas-y, alors. Dis-moi ce que tu veux, tu l'as dans l'heure. Allez. L'amour, Ted. L'amour. Malheureusement pour toi, ça ne s'achète pas. Je sais. Mais parfois, ça se gagne. Comme au jeu. Tu es belle, Judith. Un jour ou l'autre, je t'aurai. Jamais, tu m'entends. Jamais. Ça va, capitaine? Ouais, ça va très bien. Et vous êtes sûr? Vous êtes tout rouge. Ça secoue un peu, respirez. Ça va passer. Mais moi, ça passe jamais. Vous êtes malade en avion et vous êtes malgré tout accepté de me suivre. C'est très chevaleresque. Merci, Johanna. Écoutez, vous voulez pas essayer? Vous êtes sûr? Ça vous fera prendre une bonne balle d'air. Ça vous fera du bien. C'est pas sûr. Quand le tournoi sera terminé? Ça dépend du montant de mes gains. Ou de tes pertes. Je n'envisage pas cette possibilité. Pourtant, j'ai entendu dire que tu étais très endetté. Les gens disent n'importe quoi. C'est vrai, j'ai perdu au début, comme ici. Ensuite, je me suis refaite. Ah oui. Je crois que ton séjour à la Nouvelle-Orléans ne s'est pas si bien passé que ça. Tu ne dis rien. Dominique a appelé ta banque. Tu m'as signé un chèque de 500 000 dollars avec un découvert autorisé à 20 000. Tu es coincé. On se marie quand? Je t'ai déjà dit que... Ça, c'était quand tu gagnais, ça. Quand tu étais riche. Maintenant, tu n'as plus le choix. Soit tu m'épouses, soit je demande à encaisser le chèque que tu m'as signé tout à l'heure. $500 000 de chèque sans provision, ça peut t'entraîner en prison pour quelques années. Tu sais. Il n'aurait jamais dû faire ça. T'es fichu, Judith. Fichu. Tu me dégoûtes, Ted. Tu n'as pas toujours dit ça. C'est vrai. J'ai eu une aventure avec toi, mais c'est fini, tu comprends? T'as jamais voulu l'admettre, mais c'est fini. Salope! J'étais trop patient. Maintenant, tu vas comprendre. Ne bouge pas. Tu m'entends? Ne bouge pas.
elle va atterrir n'importe où. On va surveiller l'endroit où elle se pose et s'il y a un problème, on ira la chercher. Oh, elle s'est éloignée encore. Oh, j'aime pas ça du tout. Mais vas-y, tire. Qu'est-ce que tu attends? Tire! Mademoiselle Glam, voyons, calmez-vous. Voyons. Vous avez raison, Dominique. Ça vaut même pas la peine de gaspiller une balle pour cet individu. Je suis désolé, monsieur. Fais la toi. Va-t'en! Fous-moi le camp! Elle va se poser sur la maison. Il faut atterrir, vite! Ne vous inquiétez pas, on y va. Calmez-vous, capitaine! Pas sur la maison. Pas sur la maison, pas sur la maison. Ok.